Le Meurice est avant tout un palace éminemment historique. Vous êtes plongé ici au cœur de l'histoire. Il faut savoir que c'est le premier palace parisien à avoir ouvert en 1835. C'est aussi le premier palace à avoir installé un téléphone. Donc c'est vraiment un palace chargé d'histoire. Et ce qui est assez extraordinaire dans cet hôtel, c'est qu'on a voulu préserver son histoire. Je pense que le Meurice est vraiment un hôtel à part. C'est un hôtel qui, dans bientôt 200 ans, raconte une histoire qui se confond avec l'histoire de France, avec la splendeur de Paris et les aspirations du monde entier. C'est un hôtel qui a toujours été ancré dans l'art et la culture. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, nous avons réussi un pari qui n'était pas gagné d'avance, de rendre ce palace d'une certaine manière contemporain. L'hôtel a toujours travaillé par exemple avec Charles Jouffre, qui est un tapissier d'exception, qui ici a travaillé sur les rideaux, a travaillé sur les coussins. Ma rencontre avec Charles Jouffre date il y a à peu près 15 ans. C'est quelqu'un d'extrêmement sensible à l'écoute et très réceptif de ce qu'on voulait faire d'un lieu. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment celui qui a le mieux compris que représente le Meurice. Donc là, on est dans un bijou absolu, une des plus belles, si ce n'est la plus belle suite de Paris. Et là, vous avez travaillé un peu partout dans toutes les pièces. Exactement. Donc l'idée, c'était vraiment que depuis ce lit, le client puisse voir tout Paris. Et l'idée, c'est que... D'une part, ici, on a la vue sur la Tour Eiffel avec le musée d'Orsay, le Louvre. Et puis de l'autre côté, c'est quand même assez magique, on a bien évidemment le Sacré-Cœur. L'histoire du Meurice, c'est un peu une histoire d'amour finalement, parce que tout a démarré en 2000 lorsque j'ai commencé à travailler pour le Meurice, qui était évidemment un lieu quand même un peu magique et où nous avions eu la chance de réaliser à la fois tous les rideaux, tous les canapés. L'idée, c'était d'arriver à trouver toujours ce lien entre le 18e français et la modernité. Et donc, de surtout pas tomber dans un excès de modernité, mais en même temps, sans rester trop passéiste. Donc, c'était ça qui était amusant. L'idée, c'était vraiment de s'appuyer sur une équipe d'architectes d'intérieur, mais jeunes, qui amènent de la créativité, qui amènent de la fraîcheur, qui sortent aussi un peu des codes établis. Et donc, Lally et Berger ont véritablement su, finalement, écrire une nouvelle page de l'hôtel Le Meurice, parce qu'ils ont pensé quelque chose de très frais. L'idée de ce projet, c'était vraiment d'intégrer le confort contemporain dans un intérieur 18e. Là, par exemple, autour de nous, on peut voir le canapé qui est derrière nous, qui est un travail qu'on a réalisé notamment avec les ateliers Jouffre, vraiment travailler sur les codes et des subtilités, des détails 18e sur le canapé, tout en intégrant son confort. Et ça, on a pu le faire grâce à un savoir-faire comme ont les artisans des ateliers Jouffre. On reste sur la livraison de poissons et légumes. Ouais, c'est pas mal. Tu veux tester ? Celle-ci. Elle est pas belle ma salade là ? Franchement. Ça, on va la griller un peu. Le fin là, il va brûler un petit peu et ça va rester bien croquant avec une petite vinaigrette. Je crois qu'aujourd'hui, on a aussi cette tendance de vouloir promouvoir la nouvelle génération. Et je pense qu'au Meurice, on a toujours eu, j'ai envie de dire, la curiosité ou le courage, on appelle ça comme on veut, de développer des jeunes talents.
auquel on a cru et auquel on a donné une chance. Donc là, je vais m'occuper du poisson. On voit le côté translucide du poisson. En fait, c'est des poissons très délicats et nous, on va le couper très finement comme ça. Ça, c'est des feuilles de tagette. La tagette, en fait, c'est une herbe qui a un goût un peu de pamplemousse. Nous, on aime bien les fleurs, en fait, parce qu'il y a beaucoup de fleurs qui sont comestibles. Ça apporte, le côté délicat au plat et ça a beaucoup de goût, en fait. C'est assez fascinant, en fait, de voir un hôtel comme celui-là qui est aujourd'hui sous l'impulsion de deux jeunes qui ont quasiment mon âge, une trentaine d'années. C'est assez incroyable et qui, aujourd'hui, sont à la tête de cette toile d'un côté et de l'autre, ont été élus meilleurs pâtissiers du monde avec des pâtisseries incroyables, des fruits tous plus beaux les uns que les autres. On attend chaque jour la sortie du dernier fruit de Cédric Grolet en suivant son Instagram. Ça, c'est spectaculaire. L'hôtel a bien compris qu'on avait affaire à une nouvelle génération et qu'en faisant appel à ces deux talents, on se tournait vraiment vers le futur et plus du tout vers le passé. Mes débuts au Meurice sont assez souriants. Je suis arrivé en tant que sous-chef en 2013. Quand on arrive ici en tant que sous-chef, on a tellement d'informations à enregistrer et à savoir et aller le plus vite possible que ça a été hyper enrichissant parce que j'apprenais tous les jours, tous les jours, tous les jours. Après, c'est un an, on m'a proposé la place de chef pâtissier. Ça a été un très beau challenge. Ça vous goûter un petit peu? Ah bah bien sûr, plutôt de ça, c'est le praliné noisette. Donc là, c'est tout simplement, en fait, c'est les noisettes mixées. C'est liquide parce qu'elles ont recraché leur gras, c'est un fruit sec. C'est légèrement sucré, mais c'est qu'à 15%, donc en gros, très très peu. Et un petit peu salé, je sais pas si vous le sentez. C'est super bon. Et ça, c'est le travail d'un seul homme ou c'est toute l'équipe qui participe? C'est le travail de l'équipe. C'est le travail de l'équipe, chacun amène sa petite note. Je le fais goûter au chef qui me dit peut-être qu'on pourrait mettre un peu plus de fleurs de sel. Et si on mettait un petit peu de vanille pour adoucir? Voilà, c'est un travail commun. On passe à la crème. Et donc après, les noisettes. Allez-y, décorez, décorez. C'est vrai? Il faut faire comment? Tout à fait. En fait, on va tricher un peu. Parfait. Retourner carrément le chapeau dans les noisettes. Ah ouais, ouais. Ah, pratique. C'est une petite astuce de production. Donc là, faut poser le chapeau bien droit. C'est bon là? Ouais. Parfait. Comme c'est que de la noisette, faut vraiment de la malaxer très longtemps. Ça fasse vraiment une pâte très très fine. C'est un bijou, ça, c'est pas de noisette. Déjà, dans la vie générale, j'ai une pression de réussir. Mais en plus, ici, à l'hôtel Le Meurice, c'est tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes. Vu l'outil de travail que j'ai ici au Meurice, eh ben, je peux me permettre de faire des pâtisseries qui sont vraiment haut de gamme. Et ensuite, quand je suis au restaurant gastronomique, j'ai une attente des clients qui vont découvrir quelque chose qu'ils n'ont jamais vu ailleurs. C'est un hôtel qui a toujours attiré le monde artistique. Il faut savoir que Dali y avait ici sa chambre, il venait un mois par an, tous les ans. C'était vraiment son hôtel de prédilection. Et d'ailleurs, l'hôtel lui a rendu hommage en appelant le restaurant Le Dali. Et ce côté artistique de l'hôtel, ce côté moderne, a continué au fur et à mesure des années. On veut apporter une touche de modernité, mais qui révèle mieux l'essence même de l'hôtel. Ce qui va distinguer le Meurice en fait, d'un autre hôtel, c'est cet accueil, cette hôte de maison qu'est Franca Holtmann. Et ça, c'est véritablement important. Il y a beaucoup d'hôtels dans le monde qui négligent totalement cet aspect. Le fait que quand on vient en tant que client dans un palace, on a envie d'être accueilli par quelqu'un. Et Franca joue véritablement ce rôle. Et c'est ce qui fait que l'expérience client au Meurice est toute singulière.